Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour cette vidéo, les Verseaux. Donc cette relation à laquelle vous pensez va-t-elle durer? J'ai sorti la carte de la consultante et du consultant. La carte du consultant, de la consultante, pardon, celle que je vous montre ici, va vous représenter. Donc que vous soyez homme ou femme ou quel que soit votre genre, cette carte vous représente. Et la carte du consultant ici représente votre autre, quel que soit son genre. Donc vous adaptez ici mes propos. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais à vous d'adapter évidemment. Allez, on va aller voir selon vous, selon votre point de vue à vous, où en est la relation? Qu'est-ce que la relation? Qu'est-ce que vous vivez dans cette relation-là? Hop, hop. Et celle-ci. Allez, je rajoute les deux petits personnages pour voir comment vous allez évoluer avec ces nouvelles données. Donc ça, c'est votre point de vue à vous par rapport à la relation, ce que vous pensez de la relation, vous, Verseau. Alors, vous faites passer déjà votre autre avant tout. Vous vous regardez, vous êtes la priorité. La priorité, c'est votre couple. Derrière vous, on a des surprises. On a le dépit, on a la victoire, on a le voleur et on a le billet doux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a des choses qui pourraient être positives, mais qui sont toujours entachées par une personne de négatif. Je pense qu'autour de vous, dans votre entourage, vous avez une personne qui est jalouse de cette relation-là et qui vous observe ici, qui vous aime ou qui vous a aimé et qui vous fait peut-être croire qu'il est heureux pour vous deux, mais qui en fait est complètement dépité, était complètement surpris de vous voir ensemble. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une autre relation? Est-ce que c'est un enfant? Je pense que c'est une personne plus jeune que vous. Un enfant ou un adolescent ou quelqu'un que vous ne connaissez et qui est plus jeune que vous hein, dans votre entourage, des amis ou je sais pas quoi, des voisins ou de la famille, bon bref, et qui aimerait vous voler un peu votre superbe là, qui vous réserve un chien de sa chienne quoi, qui vous réserve véritablement de se venger, voilà. Bon, et ça en dit pas plus sur la relation, mais on voit que vous êtes proches, vous vous regardez, vous avez envie d'être ensemble, il y a un lien très fort qui vous unit. Bon, on va voir si dans la tête de votre autre, de cette personne-là, hein, pas de cette personne-là, cette personne-là, on a juste envie qu'elle disparaisse dans le tirage. Alors, qu'en est-il de la vision qu'a votre autre de cette relation? Quelle vision de carte votre autre a de cette relation? Je mets les petits personnages et on va aller voir comment ils ressortent. Alors, le consultant, la consultante. Les chagrins, les larmes, la mort, l'inconstance, le rentier et le flatteur. Alors, on voit que vous êtes dans la même configuration, hein. Vous êtes en train de vous êtes côte à côte d'abord, même si là, on voit que les pieds, vous avez envie d'aller vers votre autre, mais vous regardez vers ce qui est derrière vous, hein, le passé. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un ici, il y a deux personnages, hein, il y en a un qui vous flatte, qui essaye de vous faire des grandes salutations, qui essaye de vous charmer, hein, de vous séduire. Et puis on a une personne ici, qui est peut-être un peu plus vieille que les autres, un peu plus âgée que celui-ci, que le flatteur, là. Qui vient
bah voilà, vous montrer un peu. J'ai l'impression que c'est ce voleur, moi, qui s'est transformé en cet as de coupe et qui vient de vous dire, bon bah voilà, je suis une belle personne, j'ai de beaux sentiments, etc. Je pense que voilà, dans la vision de votre autre, ce personnage n'est peut-être pas aussi mauvais. Il n'a pas envie de le voir aussi mauvais qu'il ne l'est, mais il voit bien qu'il y a quand même un personnage là qui essaye de vous séduire, de vous avoir. Alors, est-ce que c'est le même personnage? Est-ce que c'en est un autre? Est-ce que c'est un personnage à double casquette? Et on voit qu'il crée de l'instabilité dans votre vie, que vous avez envie de couper avec ça parce que ça vous donne du chagrin. Votre autre se dit, mais faudrait couper. Mais on voit que ça impacte plusieurs personnes. Si vous coupez, ça impacte plusieurs personnes. Donc c'est comme si vous coupiez avec quelqu'un, peut-être un père de famille, peut-être quelqu'un de la famille, hein, et vous coupez une branche ou vous coupez peut-être avec des amis, etc. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a aussi dans cette histoire-là un décès, quelqu'un qui a disparu? Et donc, ben, ce sont les derniers héritiers, les dernières personnes de cette lignée-là, et vous pouvez pas trop couper avec ces personnes parce que, je sais pas, c'est les dernières descendances de votre famille. Et donc, ben, par respect pour vos ascendants, vous restez dans ce lien. Bon, en tout cas, c'est lourd, ça prend toute votre énergie. Et pendant ce temps-là, votre autre, lui, il réfléchit, mais il réfléchit à ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, on va aller voir cette relation. Comment cette relation a débuté par le passé? Comment elle a débuté pour vous? Ce qu'elle a été? Comment ça s'est passé? Alors, je remets les deux petits personnages. On voit toujours votre autre ici, les masques, vous. Alors, vous êtes peut-être dit au départ, mais c'est pas possible, je dois me tromper. Je dois me tromper, il y a un lien très fort avec cette personne, mais je dois me tromper parce que je suis quand même vachement ancrée dans ma vie, j'ai quand même beaucoup de choses de concrètes, d'établies, de mises en place. J'ai peut-être une maison, un métier, une famille, etc. J'ai peut-être pas vu le temps passer. Je me dis qu'à cet âge-là, je peux pas tomber amoureuse, c'est pas possible. Donc, ce lien n'est pas possible. Je ne veux pas y penser. Non, c'est pas pour moi. Mais vous étiez quand même tenté. Bon, et votre autre était là. Alors, qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il maintenant? Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'en est-il maintenant, s'il vous plaît? Qu'en est-il maintenant, s'il vous plaît? Moi, je la retourne maintenant. Alors, les deux petits personnages. Alors, on a le bouquet, le monsieur, la dame, la clé à l'envers et la cigogne. Bon, vous êtes toujours côte à côte, donc vous êtes rapprochés. Il y a une clé ici, mais une clé qui n'est pas disponible pour pouvoir déménager. Il n'y a pas de possibilité de déménagement pour le moment. Et on voit que votre autre a besoin de douceur et se tourne peut-être vers quelqu'un d'autre. Va peut-être chercher la douceur vers une autre personne. Il y a peut-être une autre personne qui attire son regard, qui attire son attention ici, en lui faisant des cadeaux, en lui faisant des promesses, en l'amadouant un peu. Alors que vous êtes en train de chercher, je sais pas, une possibilité d'habitation, je sais pas, avec cette clé là, vous cherchez une solution. À un problème de logement, d'habitation, de maison. OK. Comment la relation va évoluer? Comment la relation va évoluer? Parce que pour l'instant, écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit dramatique entre vous. J'ai plutôt l'impression
que bah, vous êtes en train de chercher des solutions, vous êtes côte à côte. Bon, il y a cette personne, mais ça peut être une personne, un ami, une amie qui apporte de nouvelles idées à cette personne. J'ai rien d'inquiétant véritablement ici qui pourrait dire que non, ça ne dure pas. Pour moi, ça serait plutôt un oui. Oui, cette relation va durer. Bon. Alors, hop là. Alors là, j'ai un quart du jeu qui a sauté, donc non. Je vais pas prendre ces cartes. Alors, j'ai ces quatre. Alors, je vais prendre celle-ci en bonus. Et je rajoute les deux petits personnages. Je crois qu'il a, à force de... Il y a beaucoup d'attentes. Vous n'arrivez pas à défaire, à partir, à aller vers ce que vous voulez vraiment ensemble. C'est long, c'est très long. Ouais, on a les démarches, l'amant, l'amante, l'idéal, donc ça c'est votre autre. Ténacité, l'éloignement. Moi j'ai cette sensation quand même que là, vous êtes toujours côte à côte, donc il y a toujours un lien, mais vous vous éloignez de cette personne, vous éloignez peut-être, vous déménagez, et cette personne, elle se tourne, il y avait la fille qui tournait autour, là. Il y a une amante, et il y a quelqu'un qui fait des démarches là pour vraiment être avec votre autre. Hein. Donc, a priori, au vu de la deuxième et la dernière ligne, je dirais que non, cette relation ne va pas durer. On a la trahison. On a la trahison. Vous allez subir une trahison de la part de votre autre. Incroyable ça, c'est fou. Ben ouais, parce que vous aurez tourné le dos à cette personne en cherchant peut-être trop longtemps à obtenir quelque chose. Et puis, ben, cet autre s'est lassé d'attendre et a mis ses billes ailleurs, s'est tourné vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Ok. Ok, donc bah non, pour moi la relation ne va pas durer. Alors non pas que puisque cette personne a un amant, une amante, vous n'allez pas pouvoir rester ensemble, ça pourrait être le cas. Mais vu les cartes d'à côté, non, il y a des démarches pour aller vers cette personne et vous vous éloignez. Donc il y a forcément une séparation ici, un éloignement au moins temporaire, peut-être même définitif, on va voir hein, qu'est-ce qui va se passer entre vous hein. On a le domicile, la maison, il y a un problème avec la maison, c'est la maison ici, le problème c'est la maison, c'est cette clé qui est à l'envers. Ah, on a des secrets par rapport à la maison, il y a des choses secrètes dans la maison. Ok. On vous dit que vous vous sentez seul ou alors cette personne se sent seule. Dans votre couple, il y a une personne qui se sent seule ou vous vous sentez tous les deux seuls finalement dans cette maison, dans ce couple. Et c'est pour ça que bah, cette personne se tourne vers quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il vous aime plus, il peut très bien vous aimer, mais sentir que bah, vous vous éloignez, qu'il y a d'autres projets, d'autres choses qui vous tentent et donc il n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins que vous. Et donc, il se tourne vers peut-être l'envie de plus de sexe avec quelqu'un ou attiré physiquement par une personne ou intellectuellement, etc. Donc oui, pour moi, là, il y a une séparation. On vous parle de retard, de critique, d'entourage, d'espérance, de célébrité, le passé, le cadeau, le présent. Ouais, il y a l'histoire du passé qui revient. Moi, ça me fait un petit peu bizarre avec ce voleur-là qui était là tout à l'heure. Est-ce que cette personne n'aurait pas fait certaines choses dans votre maison ou sur votre maison ou autour de votre maison, je sais pas quoi, par rapport à votre maison, pour vous empêcher de vivre quelque chose d'heureux. Bon. Ok. Bon, alors donc, pour moi, c'est un non. Cette relation ne va pas durer. Bon.
Je vais demander un petit conseil à Avalon pour vous, les Verseaux. Les Verseaux, un conseil d'Avalon pour cette relation. J'ai la carte, j'ai aperçu la carte de l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Hein. Il y a de l'amour entre vous. Alors peut-être que aussi, hein, vous pouvez voir la vie autrement, les choses autrement. Hein. Cette relation, elle est peut-être faite pour être vécue à trois. Alors vous allez dire, non mais sûrement pas. Eh bien pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Est-ce que, puisque vous êtes tournée vers autre chose, ben oui, mais c'est autre chose. Vous cherchez un écrin pour votre amour. Ben, peut-être, mais si l'amour pour votre autre, c'est un amour pluriel. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que véritablement, ça change quelque chose à l'amour que vous vous portez? Je crois pas, hein, si on s'aime. Je crois pas. Alors, quel est le conseil ici qui vous est donné? Les Verseaux. Hop, on vous parle de la guêpe. La colère, la vengeance, la jalousie. Ben voilà, ce que je vous dis. J'ai ici, le conseil, c'est de vous défaire de tout ça. De la colère, de la vengeance et de la jalousie. Parce que ces trois choses-là, alors, elles peuvent être exprimées. Hein. Je écoute, quand tu es avec cette personne, je suis jalouse parce que tu passes trop de temps, j'ai l'impression de plus exister, t'es pas disponible quand moi j'ai besoin de toi, je sais pas quoi. Tout ça, hein, ça peut être exprimé, la colère, la vengeance. Dire j'ai envie de me venger de toi parce que je trouve que c'est pas chouette ce que t'as fait, etc. Mais de là à passer à l'acte, c'est autre chose. Et puis ces sentiments-là, ils sont là aussi pour vous faire travailler sur vous. Pourquoi vous êtes jalouse? Parce que vous considérez que l'autre vous appartient et que donc si l'autre n'est pas là, c'est qu'il est avec quelqu'un d'autre et qu'il n'est plus pour vous. Donc vous sentez seul. Hein, on avait la solitude. Bon, voilà, c'est des choses qui peuvent être entendues, ça, qui peuvent être acceptées et qui peuvent être travaillées. Pourquoi vous vous sentez seul quand l'autre n'est pas là? Est-ce que vous n'avez pas des choses à faire? Est-ce que vous ne pouvez pas vous tourner vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre ou etc. Il y a plein de solutions. Hein. L'autre n'est pas obligé de vous apporter non plus tout ce que de répondre à tous vos besoins. C'est à vous de répondre aussi à vos besoins. Donc c'est important ici de voir d'où vient cette colère, cette vengeance et cette jalousie que vous ressentez et de travailler là-dessus. Je donne pas raison à votre autre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais ça vous donne sujet à travailler sur vous. La relation, quelle qu'elle soit, elle sert à ça. Elle sert à vous faire travailler pour vous faire évoluer. Donc, bah, pas de problème, on est en plein dedans, on y va, on se lance et on travaille. Parce que comme ça, la prochaine fois que vous êtes en relation, et bah, peut-être que vous ne serez pas jalouse d'un flirt ou d'un amour passager et que vous verrez que ça ne change rien à l'amour que votre autre vous porte et que ça, justement, pourra peut-être apporter plus en disant, ben, effectivement, je suis avec cette personne parce que j'en ai envie et non pas parce que je suis obligée, parce que j'ai ce lien que j'ai signé, que j'ai acté, et donc je dois rester avec cette personne même si je suis attirée par quelqu'un d'autre. C'est quand même plus sain et plus chouette de dire, en fait, j'ai envie de vivre avec toi plutôt que, ben non, je dois vivre avec toi parce qu'on est mariés, quoi. Vous voyez la différence? Ouais, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.